Marcovic, Dinga, Edmilson sont absents. Par contre, Jos Darden retrouve Jaskulski, son libéro. Et puis un numéro 10, Asclesin, qui en a chassé un autre. C'est Dejan Pekovic, 1m90, il est monténégrin. Il succède en quelque sorte à Krupnikovic. Il doit faire parler retrait vers Ernst qui était monté. Wamberto maintenant, ballon à la limite du grand rectangle. Wamberto toujours qui a essayé de céder à la Ouaré. C'était une première touche de Pekovic aussi. On joue depuis 3 avec deux bûchereux. Déviation assez courte de la Ouaré vers Pekovic. Ces deux-là ont dès lors décidé de nous montrer qu'ils étaient complémentaires. Bon ballon là-bas que n'a pu intercepter Wamberto. C'est Ernst qui va pouvoir le centrer vers la tête de Pekovic. Une première tête du Monténégrin. On joue depuis 8 minutes et visiblement le stade de Sclessin est satisfait de la tournure des événements. Oui, Balic qui a bien remis là-bas pour. Hein, il y a faute, me semble-t-il, sur Bisconti et c'était de toute manière de Condé qui avait tenté sa chance au but. Devant Brokov. En possession de ce ballon, tente de dribbler Bukalski. De Condé est là. La petite pichenette vers Bukalski, vers Pekovic, pardon, qui peut se retourner. Et le but a été annulé, faute de bras. Et bien dans ce cas-là, c'est la deuxième de la part de Dejan Pekovic, le Monténégrin. 0-1 toujours. Qui garde le contrôle de ce ballon, le centre vers Pekovic, la tête au-dessus. 23 minutes. Coup de son occasion. Et nouvelle occasion des Diables Rouges à l'heure de jeu. Cette fois, le tir est de Pekovic et arrêt en deux temps de Verlinden. Pekovic entré à la place de jeu de Miceli, a failli réduire la marque. Sérieux avertissement pour le FC Bruges. On revoit la combinaison Ehlers-Laouaré qui sert parfaitement en retrait Pekovic. Mais nouvel arrêt décisif de Verlinden. Ballon, ça permet maintenant à Ernst. Bon ballon vers Roberto Visconti, pas question de hors-jeu. Oui, la tête de Pekovic. Ah, c'était joli. Bien joué de la part du Monténégrin, il était venu se placer au centre du rectangle, juste devant le gardien Lopetegui. C'était aussi un bon débordement et ce n'est peut-être pas terminé. Micheli qui s'était porté sur le flanc droit lui maintenant et qui garde la touche. On revoit l'œil de Roberto Visconti, pas besoin même. Excellent centre de la part de Roberto sur la tête de Pekovic, belle prise de balle aussi de Lopetegui. Toujours aux prises avec Wamberto, il y a faute à mon sens, l'arbitre laisse jouer, bien vu aussi Wamberto. Oui, Pekovic à nouveau le but cette fois, oui. Oh, ballon repoussé par le montant. Désolé, autant pour moi, je l'avais déjà vu au fond des filets de Lopetegui et du Barça. Et bien voilà qui va mettre de toute manière Dejan Pekovic en confiance, parce que voilà que coup, sur deux actions rapides du standard, il se met en évidence. Et il était à deux doigts d'ouvrir la marque, en tout cas à son avantage, et d'inscrire le deuxième but du standard. On revoit toute la combativité, toute l'opiniâtreté de Wamberto, l'arbitre qui laisse l'avantage du ballon. Il a bien fait, coup d'œil du petit Brésilien. Et cette fois la tête de Pekovic, il voulait la placer mieux que précédemment, mais dans les pieds du capitaine à mort, bonne défense de Visconti qui demande à Pekovic de revenir. Excellente déviation du Monténégrin et la course. Maintenant le ballon dans les pieds du capitaine à mort, bonne défense de Visconti qui demande à Pekovic de revenir. Excellente déviation du Monténégrin et la Pekovic qui se présente devant Abelardo. Bon contrôle de Houlmont qui garde le contrôle de ce ballon, à qui il cédait maintenant en profondeur peut-être sur le flanc gauche. À Skepen, ce retour défensif de chez Lades, le centre de Skepen, la tête de Pekovic, oui, extra, ah, ça fait plaisir parce que objectivement, et vous serez d'accord avec moi, c'était mérité. Depuis la reprise, le standard avait dominé le match, en tout cas jusqu'à se laisser quelque peu acculer en défense, mais avec deux ballons qui étaient venus sur la base du montant, but de Pekovic, c'est évidemment aussi la joie pour ce joueur monténégrin qui aura besoin de confiance pour s'imposer dans le noyau des rouges. Et puis surtout, on aura besoin de lui devant pour marquer les buts. On revoit la tête, jolie aussi cette passe de Günther Skepens. Et vous le savez, Günther Skepens ne s'en cache pas. Il apprécie pouvoir déborder sur le flanc gauche et centrer, adresser des ballons précis. Et quand il joue parfois avec Axel Laouaré devant lui, les automatismes ne sont pas les mêmes. Pekovic, oui, c'est le cinquième en tout cas. Dejan Pekovic, la frappe, voilà. 4-3 donc, score final sur ces tirs au but, on en restera là. Eh bien, pourquoi pas évidemment, après avoir disputé une fort belle partie, pourquoi pas ramener à Sclessin la plus grande des deux coupes plutôt que la petite. Voilà donc le standard victorieux ici au Stadio Comunale
des Almeria en Andalousie. C'est donc d'ici que je vous rends l'antenne sur cette victoire. Intéressante, bien sûr, il n'y avait pas de grands enjeux. Mais peut-être pour Jos Dardenne et ses troupes, il y avait sous-jacent à tout cela un enjeu beaucoup plus important peut-être même qu'une coupe. Il fallait se refaire une santé, il fallait se refaire un moral pour repartir du bon pied. Pour un standard Lokeren de derrière les fagots samedi prochain à Sclessin, un standard Lokeren qui aura toute son importance et dans laquelle à nouveau cette équipe de Sclessin. Djokovic passera deux fois tout près du 2-1. Malchance d'abord quand Van Eno dégage son heading à Melnik. Djokovic passera deux fois tout près du 2-1. Malchance d'abord quand Van Eno dégage son heading. Ce soir arracher la victoire et sinon au moins le match nul. Pekovic, belle frappe mais trop peu cadré, et que va pouvoir ce soir arracher la victoire et sinon au moins le match nul. Pekovic, belle frappe mais un coup de poing donné par Lamberto. Vous savez que Skepen s'est absent pour le donner, une reprise là-bas signé Pekovic, minute de jeu, un coup de poing donné par Lamberto. Vous savez que Skepen s'est absent pour le donner, une reprise là-bas signé Pekovic. Compatriote Edmilson, Dimitri Wavrey, accélération, préfère céder le ballon à Pekovic qui me semble-t-il joue fort en retrait. Pekovic encore, Bisconti qui préfère essayer de la remettre à Wavrey. Pekovic, un ballon qui lui parvient à nouveau et Van de Waal en coup de poing indispensable. Accélération, préfère céder le ballon à Pekovic qui me semble-t-il joue fort en retrait. Pekovic encore, Bisconti qui préfère essayer de la remettre à Wavrey. Pekovic, un ballon qui lui parvient à nouveau et Van de Waal en coup de poing. Jó az indításai Safranek. A hazai védők tisztes távolból szemlélik, Pekovic pedig a léc alá emel. Remek mozdulat volt, szépít a tatabánya. A két perccel korábban csereként beállt Pekovic nagyon szépen, nagyon okosan emelt balok fölött a léc alá. Vignyevics szabadrúgása a hetedik percben. Többen is érkeznek, kapufa! Pekovic. Vignyevics szabadrúgása a hetedik percben. Többen is érkeznek, kapufa! Pekovic. Pekovic próbált eljátszani egy 11-es, legalábbis én úgy láttam, hogy megpróbálta eljátszani. Szabó Zsolt azonban büntetőt ítélt. A jelek szerint tehát Udvari elrántotta a lombar csatárát. Pekovic az ítélet végrehajtó és szépít. A 69. percben 3-1 az állás. Ha volt a vendégeknél valaki, aki szintén tétlenkedett az eddigiekben, akkor az Pekovic. Most azonban ő harcolta ki a 11-es, és ő is értékesítette. Emkin eltolja Telek mellett. Potemkin akár kapura is viheti. Potemkin inkább passzol, Pekovic 3-2. Teljesen váratlanul szerez gólt a Lombard. A 32. percben immár csak egy gól az ETE előnye. Potemkin majdnem a felező vonaltól indult, előbb bonkiszlázta le, majd Teleket csapta be, és aztán rendkívül önzetlen volt. Ott az üres ember, Pekovic lefejeli, és majdnem ő gól! Vegyesi mit csinált, Fabrizio előtt a labda, Tamás világja ki. Hihetetlen, na ez az. Nagyon szépen megnéztem, Egyesi már elnézést az ironizálásért, a jobb felső sarkot majdnem be is fejelte. Nagyon jó, Árki túlsó oldalra történő átívelése, Pekovic remekül fejeli vissza. Hát igen, végül is nem volt sok választás. Szokatlan fordult. Ténykérdés. Fabrizio, hát a túloldalra, mekkora helyzet, ez is kimarad. Hát ez már szinte hihetetlen. A cserecsatár Pekovic, mosolyog ebedlés, hát persze kínjában.
most már valóig azt, hogy a harmadik? Megérdemik a legpekhesebb csapat címét. Nagyon szép a fejes. A harmadik kapufa, igen. 7. perc. Jeremejev szabadrugása. Jól jön be a labda, Pekovics, és szépít a hazai gárda. Pekovics a gólszerző, Jeremejev volt az előkészítő. Pontos a labda, Jeremejev szabadrugása. Jól jön be a labda, Pekovics, és szépít a hazai gárda. Pekovics a gólszerző, Jeremejev volt az előkészítő. Pontos a labda, megfeledkeztek a légiósról a hazai védők. Még a csel is jó, látja, hogy érkeznek baloldalt. Elhal a támadás, Pekovics, nagy lövés és kapufa. Még mindig ott van. És végül Pekovics fejjel még egyszer. Látja, hogy érkeznek baloldalt. Elhal a támadás, Pekovics, nagy lövés és kapufa. Még mindig ott van. És végül Pekovics fejjel. 10 perc van hátra a rendes játékidőből. Pekovics. Még mindig ő. 16-oson belül. És nagyon szép gólt rúg. Pekovics. 5-2. Némileg kozmetikáznak egy kicsit a hazaiak az eredményre a rendes játékidőből. Pekovics. Még mindig ő. 16-oson belül. És nagyon szép gólt rúg. Pekovics. 5-2. Némileg kozmetikáznak egy kicsit a hazaiak az eredményen.